Bonjour à tout le monde. Bonjour, 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 bonjour. J'espère que vous allez bien. On a fait la télé l'autre jour. La télé sur la création d'entreprises. Et je suppose que vous avez vu vous avez sûrement les feedbacks des gens. On a enregistré quelques-uns de leurs feedbacks. On vous partagera. Donc, j'ai des prophéties pour certains d'entre vous aujourd'hui. Comment vous allez? Bonjour Marco, bonjour Nathalie, bonjour Valérie. Beaucoup d'entre vous, vous avez le talent. Hein. Parce que pendant la formation qu'on a fait l'autre jour, il y avait même une dame qui est diplomate qui était là dans la formation. Et on s'est rendu compte en fait que ce n'est pas les idées qui vous manquent. C'est pas le potentiel, c'est-à-dire savoir fabriquer quelque chose. Mais il y a d'abord la vision. Il y a la vision. Bonjour Ninon Kamal. Ninon Kamal, bonjour. Sorel, bonjour. Pessila, bonjour. Donc le numéro est le 680 71 0701. C'est affiché là-bas. Vous savez, on traverse tellement de... On est dans la meilleure des époques. Pourquoi la meilleure des époques? Parce que on peut devenir n'importe quoi. Tu peux aller sur TikTok, du jour au lendemain, tu deviens une star aux États-Unis même. Et tu es à je sais pas, tu es peut-être à Badjoun. Je suis qu'il y a des gens qui ont fait le TikTok à partir du Cameroun que Beyoncé a même vu. Elle a dit waouh. Bon, je pense pas que Beyoncé passe trop de temps sur TikTok. Donc, j'étais en train de me préparer tout à l'heure. Je me suis rendu compte que j'ai juste pensé, pensons un peu à une grande entreprise dans votre ville. Donc, on va voir la boîte de lait que Carrefour vend. Ou bien la bière que les brasseries vendent. Je ne fais pas la publicité de quelqu'un. Donc, il y a Carrefour, il y a Super U, il y a Tesco, il y a Sainsbury. Je cite toutes ces personnes-là. Vous allez voir que c'est le producteur qui gagne ici dehors. C'est celui qui produit. Si on te vend une bouteille de boisson à 800, celui qui porte la bouteille vient mettre dans ta main. Il profite 100 francs. Il y en a même qui profitent même 50 par bouteille. En fonction des endroits et des prix. Allô? Oui. Oui. Donc, je parlais de la boisson, par exemple. Je me suis rendu compte que celui qui vous vend la bière, lui, il profite 100 francs. Je vais monter par là-bas. Toi, tu prends, tu consommes. Est-ce que tu sais que celui qui profite vraiment de la transaction, c'est le fabricant de cette bière. Pourquoi est-ce que je parle de ce cas de figure? Beaucoup d'entre vous, vous avez commencé à fabriquer vos produits. Mais votre vision ne s'est pas encore ouverte au degré où vous vous voyez en train d'escalader votre business à une autre échelle. Ok, tu fabriques ton savon pour l'instant. Tu dois arriver à un niveau où tu te dis, je vois mon savon dans tous les magasins du Cameroun. Et quand ça arrive dans le magasin, je donne le magasin à 500, le magasin va à 700. Je fabrique le savon à 100 francs. Qui profite? Ce qui vous gêne, c'est le manque de vision. Et quand tu manques de vision, tu péris. Quand tu n'as pas de vision, tu peux avoir les talents pour faire 50 choses. On va te voir, même avoir le l'argent de taxi, tu n'auras pas. C'est comme ça que tu seras jaloux et aigri. Les personnes qui n'ont pas de vision sont trop jalouses. Tu es là comme ça dans ton cœur, tu as des... Pourquoi est-ce qu'elle a réussi? Pourquoi est-ce que... Pourquoi? Et quand tu mets ton business pour que ça avance, ne cherche pas à profiter seul. Voilà alors notre truc qui vous dérange. Vous voulez être les seuls à profiter. Ah, comment est-ce que tu veux que... Ma chérie, pourquoi tu mets dans le magasin de quelqu'un? Il faut que tu déposes dans son magasin. Et que lui-même, il profite 200, 300, 400 sur ton produit. Vous êtes trop... je vais même dire ça comment? Égoïste. Et parfois, une analyse personnelle est nécessaire. Tu dois rester, tu t'analyses toi-même. Qu'un jour, j'ai pensé à donner... à monter mon business à terre. Bonjour. À monter comment... Enfin, voilà. Tout à la dernière fois dans les ateliers. Le problème de certaines personnes, c'est que j'ai montré à l'enfant, c'est comment on fabrique ça. Elle est partie, elle a voulu me faire la concurrence. Tu dois être tellement confiant dans tes produits que tu sais que qui que ce soit qui veut m'égaler ne peut pas. Il ne s'agit pas seulement de dupliquer ce que tu fais. Il faut aller vendre. Il faut sortir la chose. Quand vous comprenez ça, vous n'aurez plus peur. Oh, j'ai formé les tailleurs ici, là, ils sont venus. Et ils ont pris mes clients. Non, ma chérie, ne te dérange pas. Si tu restes 2 mois, tu n'as pas de nouveaux clients, c'est que tu fais mal ton business. Tous les anciens clients, là, c'est du passé, c'est déjà passé. Attendez, j'attache mon sandja. J'attache mon sandja, ça se détache. Voilà. Ici au village. Tu dois avoir confiance en ce que tu as. Tu as en confiance. Supposons que tu as sorti une formule de beignet. Ce ne sera pas... Même si un de tes fils vient, tu le formes, il prend ta formule de beignet, pas avec. Ce qui va te donner la prospérité, c'est quand tu vas prendre, c'est quand il y aura tes beignets dans tous les supermarchés de la ville de Douala. Bonjour la Reine Marie. Tu restes comme ça, là, il y a tes beignets partout. Parce que il y a des choses que vous goûtez, ce n'est pas si bon que ça, mais c'est pas tout. Mais je... Regardez-moi les céréales, ce que la femme s'est assortie. Mais je peux faire mieux que ça. Parce que je n'avais pas de vision. Good morning, Godwin. La bonne, gentille femme est venue. Elle avait l'idée de faire seulement la bouillie de maïs. Elle commercialise. Tu as le rayon laitier. Tu as le lait de vache, le lait de soja, la bouillie de maïs. Tous les Camerounais connaissent la bouillie, non? N'est-ce pas? Mais toi, tu as pris la bouillie, ton esprit s'est ouvert à une autre dimension. Que non, on ne peut pas laisser la bouillie ici. Comment est-ce que je peux faire pour conserver? Il y a même des gens qui commercialisent le vin de palme. Bonjour et merci à ceux qui partagent mon direct. Vraiment. J'ai même une bénédiction spéciale sur vous. Je sais qu'il y en a que vous avez vos décepticons, vous ne pouvez pas partager. Parce que si vous partagez, oh, tu suis la femme là. On vous a déjà découragé de me suivre fatigué. Mais vous êtes toujours là. Vous avez créé un faux profil, vous me suivez avec... Il n'y a pas de problème. Il y a la paresse dans votre corps. Vous dormez jusqu'à quelle heure? Je devais venir verser l'eau froide sur vous le matin. Les villageoises. Je suis en train de faire mon direct, partez là-bas, pardon. Bonjour. Les villageoises. Vous êtes au village, non? Yes. T'es tombé. Yes, le baptême de ça. Il y a la boue au village jusqu'à... Ça ne donne pas le lait. Bonjour, répète, bonjour. Bonjour, Fanny. Champion, bonjour. Partagez ma vidéo, partagez. L'autre jour, dans la salle de formation, il y avait les gens qui avaient 3 personnes, par exemple, qui faisaient les mêmes produits. Et quand tu pouvais voir les 3 personnes, tu pouvais voir 3 esprits différents. Tu pouvais voir celle qui peut prendre ces choses, tu sens qu'elle, là, ça va donner, parce qu'elle a la vision. L'autre, quand tu regardais, tu disais qu'elle, là, ce qui va déterminer l'avancement de tes produits, c'est la vision que tu ajoutes. Tout le monde fait ce que tu fais. Tu n'es pas la première personne. Tu n'es pas la première personne qui vend ce que tu vends. Maintenant, tu dois comprendre et étudier beaucoup les gens qui ont du succès. Regarde comment les brasseries fonctionnent. Même le marketing de réseau que vous faites là, non. Quelqu'un qui est en Chine, il t'envoie ses produits au Cameroun, tu vends jusqu'à tu es là chaque jour. Que prenez. Et ça, c'est un génie. Ça, c'est un génie. Pour moi, c'est un génie. Ah, le soleil n'est pas ici, là. C'est un génie. Il te dit qu'il est à Guangzhou, à Yongjinjong. Parfois, il y a des écritures sur les produits là que tu ne connais même pas lire. Mais tu sors, tu es dans la rue chaque jour. Achetez ça. Tu as ouvert le magasin que tu as en train de vendre leurs produits. Pourquoi tu ne peux pas penser qu'on peut rester à New York, à Washington? On regarde un magasin de boubou, que c'est toi qui as mis le magasin de boubou, ça vient du Sénégal. Bonjour le roi Mustapha. C'est ce qui a manqué aux Africains pendant longtemps. Et je pense qu'il est temps qu'on arrête de se crêper le chignon, de faire comme des crabes qui sont dans un seau. Tu peux avoir ton magasin. Tu prends le produit du... Écoutez, les Africains ont toujours les faux trucs sur les concurrences. Tu peux avoir le magasin. Tu prends tes produits cosmétiques, tu mets dans le magasin. Tu prends pour 3 à 4 personnes. Oui. Non, c'est bien que tu m'attendes, oui. Oui. On met seulement l'eau, c'est tout. Merci beaucoup. Quand vous partez au magasin à Super U, partez dans le rayon de liquide de vaisselle. Est-ce que vous voyez seulement une marque? Il y a plusieurs marques, non? Pourquoi quand tu ouvres ton magasin, tu veux seulement avoir ta part seule? Prends plusieurs marques que tu déposes. Dépose beaucoup. Parce que c'est qui est sûr que tout produit que tu vends dans ton magasin, tu auras le bénéfice sur ça. Parce que ça sont les mentalités africaines qui bloquent beaucoup les Africains. Donc, tu te vois avec tes boutiques partout dans le monde, en train de vendre seulement tes produits. Et si tu prenais aussi les produits d'autres personnes? Et si tu prenais même les produits d'autres personnes qui ne sont pas bien commercialisés, tu mets des belles étiquettes, tu mets dans un réseau qui... Vous savez quoi? C'est qui est sûr que si tu prends la personne, tu dis que, ok, comme j'achète l'idée chez toi. Là, on entre déjà dans les Dragon's Den. Ceux qui sont en Angleterre, là, il y avait une émission là-bas, on appelle Dragon's Den. Bonjour la Reine Ange. Pierre, bonjour. Bonjour et merci à ceux qui ont partagé cette vidéo. Je vous bénis, je mets une bénédiction spéciale sur vous. Venant de Badjoun. Bénédiction spéciale badjounaise sur vous aujourd'hui. Supposons que tu trouves quelqu'un qui fabrique ses produits, prix de fabrication d'une boîte de quelque chose, c'est 300. Tu vois, les emballages ne sont pas vraiment ça. Tu connais des gens qui dans les magasins... L'autre jour, il y a une dame qui m'a donné une huile. Quand j'ai touché lui, j'ai mis sur moi, je me suis dit, waouh. Ça, c'est le truc que dans les magasins, dans les salons de massage, là, on vous vend ça même à 10 000, 15 000. Mais la fille va te dire, je vends ça à 2000. Ok chérie, on signe un contrat. Je raffine tes produits. Peut-être tu as besoin d'une machine pour fabriquer un peu plus. Je fais les boîtes, je viens et te donne. C'est moi qui ai dépensé mon argent, non? Maintenant, tu signes le contrat, on va dire le contrat d'exclusivité. Parce que malheureusement, les gens vont vouloir, quand tu vas acheter les machines, tu vas trouver en train de vendre plus d'une autre personne. C'est pour ça que vous devez apprendre à travailler main dans la main. Vous devez apprendre à travailler main dans la main. Ne cherchez pas à duper. C'est ensemble. Quand tu vois le filet ou le grillage, c'est une corde qu'on a mis, une corde sur ça, on a attaché, on a mis l'autre, on a attaché, on a attaché. Corde, 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 corde. Finalement, tu vois que c'est un réseau. Il est temps que vous laissiez vos réseaux s'ouvrir. C'est ça qui vous bloque, vous ne savez même pas. Parfois, tu connais fabriquer, mais tu ne connais pas emballer. Quelqu'un connaît emballer, fabriquer, emballer, mais il ne connaît pas vendre. Quelqu'un connaît vendre la première fois, mais il ne connaît pas faire comment. Faire que là. Une dame me présente ses projets l'autre jour, elle me dit, mais attends un peu. Pourquoi tu ne loues pas une petite salle quelque part? Tu fais les soins aux gens, les soins de visage. Et on m'a dit que non, tu sais, ma gnagnon, gnagnagnagnagna. Effectivement, quelqu'un peut ouvrir, il peut prendre un local. Il te loue le local, il met là. Il fait la pub. Votre problème, c'est que vous allez commencer à avoir les longs yeux. En tout cas, ce sont même mes produits. Ce sont mes produits. Hein? Sans moi, il ne peut rien faire. C'est comme ça que tu as fait. Hier, tu as fait pendant 6 mois, ça a marché. Tu as eu les longs yeux. Tu es quitté, tu es parti pour faire ta part seule. C'est tombé, non? 1 an plus tard, tu as fermé, non? Voilà. Quand il voit quelqu'un qui a chuté, ça veut dire que c'est la personne qui a voulu avancer seule. Tu as voulu manger seul. Le beurre, l'argent du beurre, seul. On ne fait pas ça. Si vous regardez peut-être les brasseries du Cameroun, UCB ou bien Kadji, je ne sais pas, vous allez voir que c'est un réseau de personnes qui travaillent ensemble. C'est un réseau. C'est un peu une personne qui a pris peut-être 5 milliards, elle a mis. Bonjour Janice. Merci. Et ce qui décourage aussi, quand tu es seul à faire quelque chose, tu ne peux pas être de bonne humeur tous les jours. Tu ne peux pas être encouragé tous les jours. Il y a des jours où tu vas rester comme ça là. Tu vas te réveiller. Il y a des jours où tu te réveilles. Yes, yes, ça va aller. Ouais. Le jour où tu es down, l'autre personne vient. Seulement quand il arrive. Marie, Joseph, tu es dans quelle ville? Tu peux appeler pour le parfum d'attirance. Le numéro est là-bas, 693 50 22 66. Ou bien tu appelles le 680 71 0701. Quand tu collabores avec les gens et que tu laisses la jalousie de côté, que tu laisses le fait qu'on doit seulement te voir de côté, voilà ce qui vous tue. Moi, je suis concentré. Moi, l'argent est... Moi, l'argent. Laissez vos affaires que c'est toi la star. Laissez-moi... Vous êtes star sur TikTok, vous avez 50 000 followers. Ça vous donne l'argent. Ça vous donne l'argent. Laissez-moi vos affaires, là. Tu postes les statuts, 200 personnes regardent. Ça donne l'argent. Associe-toi avec 1, 2, 3 personnes. Oubliez vos affaires de... Non, il n'aime pas son tempérament. Ni, ni, ni. Si on se met ensemble, quand tu cuisines, c'est bon. Moi, je connais tenir les clients. Je connais parler aux gens. Tu cuisines, moi, je réceptionne les gens. Je connais aussi gérer le personnel. Je cherche les serveuses. Et on a un oncle qui a l'argent. Donc, si on demande l'argent, c'est lui qui va donner peut-être ces 2 millions. Et quand vous demandez l'argent à vos oncles, arrêtez de dire toujours que... Tu te demandes 2 millions à ton oncle, tu peux lui dire que par mois, tonton, on va faire un bénéfice de 300 000. Sur les 2 millions que tu vas donner, on va te donner 100 000. Ce n'est pas parce que c'est ton oncle qui doit te donner son argent pour rien. Si ton oncle a 2 millions de francs CFA et qu'il ne fait rien avec ce qu'il peut te donner, ça veut dire que c'est un businessman. Tout le monde veut que son argent produise. C'est souvent bête, égoïste, idiot. Aide-moi, aide-moi. Aide-moi. Je veux bien t'aider. Mais si tu... Je vous assure, je vous assure. Tu as ton tonton qui est riche là, ton tonton qui est footballeur. Quand tu parles de demander l'argent, fais le business plan. Tu montres que tu ne seras pas seul dedans. Tu montres que tu avais déjà commencé, ça a marché. Voilà, regarde tonton. Oh, mon Sanja descend encore. Attendez. Gardez le direct. Le parfum attirant, si vous allez appeler, on va vous dire. Je ne sais pas combien ça coûte. Les gens du stock vont vous dire. Sa Majesté, comment tu vas? Voilà la nature. Si tu parles à ton oncle en ayant un plan, par le genre que tu viens, depuis 5 ans, tu fais quoi? Je suis à la maison, j'ai accouché 3 enfants. Le père lui-même, c'est un débrouillard. Il me tape tout le temps. Bon, tonton, je veux que tu investisses tes 300 000 sur moi. Ma chérie, pour que tonton prenne l'argent, il te donne. Tu as menti. Tu as menti. Tu as menti. Supposons maintenant tu viens voir ton tonton. Tonton, je vends la nourriture devant la maison depuis 6 mois. J'ai commencé avec 10 000. Aujourd'hui, j'ai mis de côté 150 000 ou 200 000. Bon, tonton, je devais m'occuper aussi des enfants avec le bénéfice. Donc, malgré ça, par jour, je peux me faire telle somme d'argent, tonton. Voilà combien je me fais, tonton. Je parle comme ça. Tonton, maintenant, j'ai vu un local au quartier. La bailleresse demande 500 000. Bonjour, le roi Lucien. Blanche, je vais attacher avec la corde du bananier. Attends, je vais mettre la corde du bananier sur mon Sanja. Je vais prendre la corde du bananier, je vais mettre sur ça. Oh, misère. Tu attaches ça. Tu vois, mon cas, il parle, je bouge aussi, c'est pour ça. Quand quand tu présentes ton tonton, tu lui dis, voilà, actuellement, je me fais par mois. Si tu vends la nourriture, au moins, tu as le bénéfice de 5 000 par jour. 5 000 fois 6, ça fait 30 000. 30 000 fois 4, ça fait 120 000. Ça, c'est le bénéfice. Donc, on enlève l'argent de la nourriture, l'argent du transport, l'argent de ceci. Gna gna gna. Bon, je paye le loyer peut-être là où je suis, 30 000 avec les enfants. À la fin du mois, je suis en mesure d'économiser 20 000 chaque mois, le père. Maintenant, je vois que si je prends le local là, le local, c'est 30 000 par mois. Et j'achète peut-être une cuisinière. Faites vos plans. Tu viens présenter maintenant à ton tonton. Et tu dis que bon, actuellement, qu'on me fait 5 000 par jour, si je vendais ça, ça et ça, en plus, j'ai là la clientèle, tonton. Ce que j'allais avoir, et tu informes tes clients que bon, avant, je vendais sur le pouce ou sur la table. Quand je vais louer le local, je vais augmenter peut-être, au lieu de manger le plat à 500, tu vas manger à 650. Parce qu'il faut bien que je paye les factures. Tonton, avant, je ne pouvais pas vendre sur place. Les gens ne pouvaient pas s'asseoir. Donc, quand il n'y avait pas le local, là, on va s'asseoir pour manger. Écoutez, quand vous vous plaignez de vos problèmes, tu n'as pas les problèmes puisque quelqu'un ici, là. Tu as compris, non? Tes problèmes ne sont pas les super problèmes qu'on trouve que dans les astres. Quand vous donnez les idées de business, parce que ton problème est lié à l'argent. Chacun d'entre vous ici, ton problème est lié à l'argent. Ton problème est lié à l'argent. Voilà mon Sanja. Quand vous parlez de mon Sanja, là, voilà ça. J'ai bien attaché le tout aussi. On est là, on te donne les idées de business. Tu es assise chez ton oncle. Tu ne fais rien chaque matin. Tu regardes mes vidéos avec le wifi de ton oncle. Tu n'as même pas honte. On te donne les idées, tu dis ah. On te donne les idées, tu dis ah. Je reviens à mon business, à ma proposition de business qu'elle faisait pour ton oncle. Ta proposition de business que je t'ai dit, et je vais aller faire ça à ton oncle. Bon, tonton, avant, il me faisait 5 000 par jour. Si tu investis telle somme, je peux maintenant apporter 15 000 par jour. Maintenant, sur les 15 000 là, je vais avoir 10 000, tonton. Je mets 5 000 de côté pour toi, tonton. Très rarement, je vais voir les mendiants comme vous là. Allez dire ça à vos tontons. Je t'assure, tu fais ça, peu importe le père, le tonton que tu as. Il va sortir là, il va te donner. Même si ce n'est pas tout ce que tu as demandé, il va donner au moins la moitié. Tous les mois, tu viens. Tu fais un rapport à tonton. Tu pars à il y a les coopératives, tu ouvres le compte d'épargne là-bas. Tu mets 5 000 chaque, comme tu as dit là. 5 000. Tu mets ta part de ton côté aussi que tu as encore économisé. Là, pardon, qui là-bas? Ils sont tous durs. Ils sont tous durs. Je ne suis pas en mode insulte aujourd'hui. Je ne veux pas injurer quelqu'un. Je ne veux pas m'insulter quelqu'un. Laissez-moi continuer mon truc. Au bout d'un an, on sait qu'il y a souvent les maladies, il y a des choses comme ça. Quand la maladie arrive, le truc quand tu épargnes l'argent, c'est que s'il y a la maladie ou quoi que ce soit, tu ne vas pas être à l'hôpital en train de supplier que ouais, mon aidez-moi. Non, non, non. Tu sors un peu comme ça là-bas. Tu donnes. Dominique, si tu écris, on n'a pas réagi, écris encore. Tu as compris? Après un an, tu viens, tu montres à ton oncle qu'avec les 800 000 qu'il t'a donné, tu as mis 5 000 de côté chaque jour. Ce qui fait que ça fait 120 000 fois 10 mois sûrement. Ça fait 1 200 000. Si tu as donné 8, l'homme là t'a donné 800 000. Après un an, tu viens avec 1 200 000 que tu as économisé. Et tu t'es occupé de toi-même. Et oh non. Oh my God. Oh là là. Oh là là. Ma chérie, ton oncle va commencer à te prendre au sérieux. Je suis sûr que sur les 1 million là, il va encore venir même encore porter 3 millions, ajouter encore. Voilà comment on grandit. Pas vos affaires que vous êtes dans le même local. Je connais une femme qui fait le poisson. Depuis 2019 que je suis arrivée au Cameroun, j'ai commencé à conseiller la fille là. Après, elle a voulu faire genre, ouais, je lui montre les principes financiers. Paye ta dîme. Améliore ton local petit à petit. Tous les 2-3 mois, mets un nouveau truc. Elle a commencé à venir faire que comme si elle est devenue mendiante sur moi. Je dis que jamais, ma chérie. Je n'aide pas les gens, je les conseille. Voilà, c'est pour tuer dans le trou parce que tu n'as pas d'idée. Stéphane Sagué, tu m'as écrit, je n'ai pas réagi. Écris encore. Tu as compris? Venez de ma part le biscuit. Yeah, les enfants, si. Jesus. Non, ouvre, tu donnes. Tu prends dedans, tu me donnes. Non, ouvre, ouvre. Tu as ouvert quelle? Ça. Voilà. Attends, écoute. Un dedans. Ok. Mais vous brossez les dents avec le biscuit. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vous bénis. Vous êtes gentil. C'est mieux d'un pour elle. Tu as ta bouche me donner. Non, ça va. Laisse, laisse. Mange, mange. Vous n'avez pas le biscuit. Hein? Vous avez pour ça où? Pour nous, elle nous a partagé. Ah bon? Hein? Allez là-bas, vous demandez à maman qu'elle vous donne le biscuit. C'est fini. C'est fini. Bon, je vais vous envoyer, vous allez acheter pour vous encore. Voilà le biscuit qu'on m'a donné. J'ai mis, tu voulais retirer le biscuit dans ta bouche, me donner. Hein? Yeah. Partez alors à la maison, partez. Ah, le bonbon, non, mange juste le bonbon, merci beaucoup. Donne à celui qui n'a pas eu le bonbon là. Donne-lui un bonbon, s'il te plaît. Tu es gentil. Que je fais le ndoc, Gabriel. Il me donne avec la joie. Je suis venu là. Ils sont partis cueillir les avocats. Je ne sais pas là où ils sont partis. Ils ont pris des avocats plein comme ça, ils vont me donner. Plein d'avocats. On a écrit bienvenue sur ça. Le biscuit me donne la joie au cœur. Let me sing, oh, lo, 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 Boucan, let me sing, Bonjour. Clara ne vient pas. Vous n'avez pas me donner l'argent. Je suis à Bafoussam. Je suis à Badjoun. Il ne veut voir personne. Vous avez venu me voir, vous avez sorti 2000 de votre poche me donner. Je ne suis pas sur ça. Bonjour le roi matin. Vous les gens de Bafoussam là. Tu peux venir pour le lavage si tu veux. Oh mon boubou, elle est là. Allez, je vais lui faire bisous. Les gens ont déjà fait le direct. La princesse. Ouais. Bébé. Bonjour. Regardez. Oh, ça va. Elle veut voir maman. Sa maman est là-bas. Ça va, ça va. Ma petite blanche. Ça va, ça va, ça va. Chi. Je vais vous la montrer après. Elle est trop belle. C'est ma petite chinoise. Elle a pleuré en haut là-bas jusqu'à... Bon. Je parlais de quoi? Je parlais de tonton. Non? Bon, voilà le village. C'est comme ça que le village est sucré. C'est doux. Clara, pardon. Je vous... Écoutez, ne devez pas me distraire à mon direct. Tu peux peut-être venir pour le lavage. Tu payes mon lavage, je te lave. Mais je... pour le reste, je ne suis pas là. Vous les gens de Bafoussam, là, il y a quelque chose dans votre tête. C'est comme si il y a quelque chose dans votre cerveau, là. Il y a quelque chose. C'est pour ça que je suis ici à Bafoussam. Je ne fais pas de consultation physique. Matin, tu dis la bonne musique. Ça nous tient en haut. Ça nous tient en haut. Ok. Pas de problème. Yeah. Fais seulement attention, pardon. C'est bon. C'est bon, chérie. C'est bon, ça va. La petite blanche. Bon, il va vous laisser. On a presque fini. J'ai dit, je parlais du projet, je parlais de l'oncle. Et j'ai dit, quand tu présentes ton projet à ton oncle, tu ne peux pas présenter ce projet-là, il refuse de te donner de l'argent. Et quand il te donne de l'argent, tu vas produire cet argent, tu vas devoir le multiplier. Donc je sais que chacun a eu ce qu'il devait attraper dans ce direct. Bonjour Jean-Paul. Je sais que tu me dis que tu es à Bafoussam, pour que... Oui, bonjour Jean-Paul, je suis aussi à Bafoussam. Bonjour Jean-Paul. Bon, vous passez une bonne journée. Pour commander les produits, vous avez les numéros sur la page. Deuxièmement, lancez vos activités. Parce qu'il y a beaucoup de personnes dans la conférence l'autre jour m'avaient dit, voilà, moi, depuis que tu écoutes, j'ai lancé telle chose. Je t'écoute, j'ai lancé telle chose. N'ayez pas peur de lancer vos choses. Vous avez compris, non? Bonne journée.